Bonjour et bienvenue dans cette capsule technique de PBI. Aujourd'hui, ce que je vais vous démontrer, c'est l'utilisation finalement d'adhésifs, de colle, de graisse, tous ces éléments-là qui ne sont pas nécessairement tangibles, mais qu'on doit mettre souvent dans nos baumes, qui doivent être représentés dans nos baumes. Donc, je vais vous démontrer ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au départ, c'est souvent ce qu'on va utiliser, c'est des fichiers de pièces vides, sans arbre de création, et qu'on fait un drag and drop tout simplement. Donc, par exemple, ici, je vais l'ajouter. Et ma pièce, qui est ma graisse ici, elle est maintenant dans mon arbre de création. Donc, maintenant, je vais basculer vers mon dessin. Ici, j'ai la graisse qui se trouve à cet endroit-ci et je dois finalement venir l'ajouter, par exemple, à ce niveau-ci sur cette bulle-là, donc pour qu'il soit mis au même moment pour l'identité de la pièce. Donc, de quelle façon qu'on va fonctionner? Donc, je dois sélectionner la bulle, bouton de droite et je vais faire Add to Stack, donc ajouter à la pile. Et par la suite, je dois revenir ici en haut, dans mon arbre de création, donc de cette façon-ci, et je dois repérer finalement la graisse qui est là. Et c'est très important de cliquer sur l'origine. Okay? Dès que je vais cliquer sur l'origine, vous allez voir, le ballon vient de se mettre automatiquement de cette façon-ci. Donc je peux le faire, je peux vous le démontrer aussi avec, par exemple, ici. Je vais l'ajouter, par exemple, ici j'ai du Loctite. Donc, la même chose, je vais faire ajouter à la pile, Add to Stack. Je reviens ici, comme ceci. Donc, par contre, ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un favori, donc c'est beaucoup plus rapide. Je sélectionne comme ça, ainsi de suite. Donc, la bulle 6 correspond vraiment à du Loctite. Et si je remonte, par exemple, la bulle un peu plus haut, donc, on voit qu'il a pris la forme numéro 3. Donc, en espérant que cette capsule a pu vous apporter quelque chose, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous consulter ou nous appeler PBI 4CAM à Boucherville. Merci, au revoir.